Le modèle serviciel chez Michelin, en fait, est un vieux modèle. Michelin, dans son ADN, il y a le service. Et Michelin avait compris très vite que de permettre le service de gestion de la flotte des transporteurs avec l'activité pneumatique permettra à Michelin de développer son activité pneumatique. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des opérateurs de flotte qui étaient des salariés Michelin qui s'occupent des pneumatiques de l'entreprise Michelin. Et ça s'est mis en place dès les années 50 à 60, donc c'est quand même un très très vieux service. Après cette première économie servicielle qui était donc services et solutions avec la mise à disposition d'opérateurs de flotte pour gérer les pneumatiques des flottes des transporteurs, il n'y a eu aucune négociation avec l'organisation syndicale. C'est des années 50-60, Michelin était une société très paternaliste à l'époque et les organisations syndicales n'apparaissaient pas. Juste un petit aparté, ça serait aujourd'hui, je pense qu'il y aura un vrai dialogue et une vraie réflexion de comment va se faire le lien avec ces salariés-là, combien ces salariés resteraient intégrés à la société, quelles seraient les conditions pour y accéder. Le modèle social de Michelin a bien évolué depuis cette période-là. Alors, chez Michelin, le service est toujours vu comme un plus donné aux clients. Donc, il demande d'avoir des représentants de Michelin, des salariés qui amènent ce service, ce soit chez le client directement ou sur des plateformes, hein, ça peut arriver, qui aient l'esprit Michelin. Et surtout, les deux points fondamentaux, en particulier du recrutement, c'est résilience et adaptabilité. Pourquoi? Parce que quand on se retrouve seul face aux clients, eh ben, il faut avoir la voix Michelin, la parole Michelin, et c'est plus facile de former des gens à de nouvelles compétences que de les former à une résilience et une adaptabilité. Former des techniciens, on y arrive sans trop de mal. Former des opérateurs de flotte, c'est-à-dire des gens qui connaissent bien le pneumatique, ça, c'est pas un problème. Par contre, il faut à tout prix que la personne elle ait un certain caractère, une certaine façon d'être, parce qu'elle représente l'entreprise, et ça, c'est très, très important pour Michelin. En termes de rémunération et de relations, la rémunération, elle est gérée sincèrement à peu près de la même manière que n'importe quel autre salarié Michelin, avec le niveau de responsabilité qui est requis. Et sincèrement, sur ce domaine-là, il n'y a pas trop trop de soucis. Il y a un point qui est très très important, c'est le lien avec Michelin. C'est le management. C'est comment se joue le management avec ces personnes qui peuvent être délocalisées chez le client directement. Et là, ça demande un management de proximité avec des contacts très très réguliers pour pas que le salarié se sente abandonné de l'entreprise, voire même se sente plus salarié de l'entreprise cliente. C'est le risque potentiel qu'il y a. Donc, c'est un point très important. Et comment on évite cet écueil? Par un phénomène: formation, formation, formation. Revenir toujours sur la formation Michelin, former les salariés aux nouveautés, former les salariés pour qu'ils se sentent un collectif. Parce qu'en fait, un salarié qui est en économie servicielle et qui va chez le client, il y a un risque fondamental, c'est qu'il perde la notion du collectif dans lequel il se trouve et pour laquelle il travaille.